des maisons endommagées, des commerces détruits. Après les combats contre l'État islamique, les villages de la plaine de Ninive, au nord de l'Irak, sont en grande partie détruits. Les combattants de l'État islamique ont ciblé les maisons des chrétiens et les ont incendiées et réduites en cendres. Cette vue de désolation a ôté à beaucoup de chrétiens irakiens le dernier espoir de pouvoir recommencer une nouvelle vie dans les régions libérées. De plus en plus de chrétiens quittent le pays. Ils ne voient plus d'avenir pour eux-mêmes ni pour leurs enfants. La vie chrétienne risque de disparaître de l'Irak. Des 1,5 million de chrétiens habitant dans le pays en 1993, il n'en reste aujourd'hui qu'un peu plus de 200 000. Mais certains gardent espoir. Le pasteur Fabet est en route vers son village d'origine, Karamlech. Son objectif ? Susciter une nouvelle vie au village. Il veut encourager les membres de sa paroisse à se joindre à lui pour retourner et oser un nouveau départ. Il souhaite que les chrétiens puissent y habiter à nouveau, très prochainement, et qu'un culte soit à nouveau célébré tous les dimanches. L'espoir des gens est étroitement lié à la possibilité de reconstruire leur maison. Beaucoup de maisons ont besoin d'être réparées, d'autres doivent être entièrement reconstruites. Voir que c'est possible redonne de la force et du courage aux gens. Pour beaucoup, reconstruire est un projet bien trop grand et trop coûteux. À cause de leur fuite et de leur vie de réfugiés, ils n'ont plus d'argent. Ils n'y arrivent pas seuls, ils ont besoin d'aide. Aujourd'hui, 250 familles de sa paroisse ont accepté de retourner à Karamlech. Il va donc presque tous les jours au village pour coordonner l'aide. Des débris doivent être débarrassés, des maisons réparées. On trouve fréquemment des explosifs et des munitions. Des questions administratives doivent être réglées. Pour l'instant, les ouvriers ont peu de possibilités de dormir sur place. Le ravitaillement y est également peu disponible. Mais le pasteur Fabet s'en occupe également. Il a demandé à ses paroissiens de l'aider à réparer en priorité une annexe de l'église. Celle-ci sera utilisée comme centre de coordination pour que Karamlech redevienne habitable. La vision de porte ouverte, dans une première phase, est de collaborer avec des pasteurs, comme le pasteur Fabet, pour faciliter le retour de 2000 familles chrétiennes dans la plaine de Ninive dans les 2 ans à venir. Le total du soutien prévu pour l'Irak est de 3,5 millions d'euros. Cette aide servira à reconstruire des maisons et à soutenir les pasteurs qui coordonnent la reconstruction. Le but est aussi de donner aux chrétiens une perspective d'avenir. Des jardins d'enfants et des écoles seront remis en état. Des cours de formation professionnelle seront proposés. Les victimes de traumatismes seront accompagnées et encouragées. Nous souhaitons fortifier l'Église afin qu'elle puisse être sel et lumière dans son environnement. Nous vous demandons de nous aider par la prière et par un soutien financier. S'il vous plaît, aidez-nous à retourner chez nous. C'est maintenant que de nombreux chrétiens décident s'ils doivent rester ou partir à l'étranger. Aidez-nous à redonner de l'espoir et un avenir aux chrétiens d'Irak. Vous trouverez des informations et des rapports de nos projets actuels sur notre site internet à l'adresse suivante.